Dark Survie. Aujourd'hui, on se retrouve sur Fallout 76. Aujourd'hui, pour une petite vidéo, pour faire notre petit tour, pour voir s'il y a des choses qui ont changé sur ce jeu. Ça fait un moment que j'y suis pas allé. Ça fait un moment que j'ai pas mis les mains dessus. Donc, voilà quoi. Ça va faire peut-être 4-5 mois que j'ai pas été dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, à laisser un commentaire. Là, cette vidéo, je la fais, c'est vraiment pour voir s'il y a beaucoup de choses qui ont changé, s'il y a des villes qui ont changé, tout ça. Donc voilà, on va partir en aventure, donc on va continuer donc l'aventure. Donc pour ceux qui ont un peu suivi, j'ai fait des lives avec McDo. Ça va faire un moment que j'avais fait ça, ça va faire quelques mois maintenant. C'était l'année dernière qu'on avait fait ça, donc j'espère qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc on va tester tout ça. Donc pour ceux qui avaient suivi un peu tout ça, donc pendant que nous on était en live, avec McDo, on avait quand même fait pas mal de petites choses. On avait quand même fait pas mal de missions secondaires. McDo avait fait une partie à lui. Moi, j'ai fait une partie à moi de mon côté. Donc, on avait quand même bien avancé tout ça. Après, le système du jeu, c'est vrai que ça fait un moment que j'y suis pas retourné. Donc, je sais pas du tout où j'en étais, si j'ai pris l'autre partie ou quoi. Donc on va voir ça, on va regarder tout ça. Voilà, wali walou. C'est un jeu moi qui me plaît, mais je préfère les anciens Fallout. Pour ceux qui ont joué à Fallout 3, Fallout 4, je préfère le 4 et le 3. Alors le 3, bon, c'est répétitif parce que vu qu'il n'y a pas vraiment de fin, donc voilà. Mais par exemple Fallout 4 où vous pouvez finir qu'est-ce que je fous là moi, qu'est-ce que je fous là, restaure la fonction de lier montagne pour déclarer un... Ok, alors attendez. Ok. J'ai pas de son, c'est pas normal. Vous non plus, vous avez pas de son, c'est pas normal. Voilà, ça devrait être un peu plus fort, mais au moins. Vous êtes toujours aussi chiante apparemment. Ok, bon. Ok, on commence déjà comme ça. On va pas le faire. On peut toujours ranger nos affaires comme avant. Comment ça se fait que j'étais venu là moi? Ah, j'étais venu chercher du matériel pour la maison parce que j'étais en train de remasteriser un peu la maison. Il y a toujours les ghouls. Voyons voir un peu. Alors, on va prendre ce petit steampack. Le Pit-Boy. Ok. Votre attention à l'habitant des appalaches. Si le paladin ramasse de la tonte et de l'acier, vous parle de plus fort à table. Votre attention.
oui, il y avait aussi le système d'eau, il y avait le système de bouffe. Oh, STP, saleté. Aller au fort Alta. Ok, alors par contre. Ok, oh, j'étais déjà allé. Ok. Ça n'a pas l'air d'avoir grandement changé la map apparemment. Il n'y a pas grand chose qui a été rajouté. On était allé jusqu'à là-haut avec McDo, c'est ouf. Je crois bien que la TP coûte un voyage rapide. On va aller voir tout ça, on va aller voir vite fait. Si je me fais attaquer, le TP sera annulé. Voilà. Oh, il y a tellement de missions sur ce jeu, c'est un peu dommage quand même qu'ils mettent des missions et ils en remettent et c'est vrai que des mises à jour sur un jeu comme ça, c'est vrai que c'est important, mais pour ceux qui prennent en plein milieu, moi qui ai eu l'habitude du début du jeu, c'est vrai que... Ah ouais, ils sont calés là en fait. Ah d'accord. 23. La nuit au quartier. Alors j'ai pas l'impression que ça m'ait coûté des pièces, on avait 223. Non, je n'avais pas 223. J'en avais plus que ça, mais bon. Pas grave. Ok. Aspirant de la confrérie. Ok. Alors par contre, ce qui est un peu dommage dans ce jeu-là, alors bon, on est juste là pour regarder et puis tout ça, mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait les bots sont arrivés un peu en retard. C'est vrai que les bots, ils auraient dû être là bien plus tôt. Bien beaucoup plus tôt en fait. Ce que je veux dire, c'est que le système du jeu a fait que... bah, au début vous commenciez avec rien du tout, avec juste des holobandes. Et en fait ils auraient dû quand même mettre quelques bots donc au minimum pour la confrérie, pour certaines choses en fait qui arrêtaient pas mal. Pareil pour quand vous commencez, pour ceux qui ont le jeu, je parle pour ceux qui ont le jeu, ce qu'ils arrêtaient mieux à la place de rechercher notre agent de l'abri, notre agent d'abri, donc notre capitaine pour ceux qui suivent un peu les Fallout, tout ça, à la place d'avoir une disquette, ils auraient dû mettre un bot en fait. Ils auraient dû faire un truc avec plusieurs bots et puis tout ça, et faire vraiment que les villes, pour certaines villes, soient habitées, tout ça, parce que à part les robots, c'est tout ce qu'il y avait en fait. Il y avait certains robots. Je sais que par exemple dans la ville ouais, c'est celle-là là. Là où il y a le complexe complexe Windprint. Là où il y a le complexe en fait, il y a une zone que avec des robots
qui sont gentils, vous pouvez faire du commerce, vous pouvez faire pas mal de choses. Et c'est vrai que pour un jeu comme ça, c'est vrai que c'est pas l'habitude, bah moi qui n'avais pas l'habitude du départ, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais c'est vrai que ça peut être important, ça peut être sympa, mais faut quand même un minimum quand même. Il faut un minimum. Après, il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées, donc il y a eu quand même des nouvelles bêtes qui sont arrivées, il y a eu pas mal de missions qui sont arrivées. Et c'est vrai que bah, plus on regarde, bah, il y a plus on regarde, plus... Ah, j'ai pris le dernier Steam Pack. Plus on regarde, plus il y a des missions, quoi. Clairement, voilà. Là, c'est toutes mes missions principales, hein, on parle bien principal. Là, c'est tout ce qui est mission secondaire, donc ivre de du Nukaboom. Mission du superviseur, suivre le périple du superviseur. Donc, ce qui est un peu chiant, c'est que, voilà, Appalaches, les quêtes de moyenne, sécuriser les silos nucléaires. Il fallait que je trouve un journal lequel aurait pu laisser derrière elle. Donc, voilà, il y a tellement de choses, par exemple là c'est les quotidiennes, donc là c'est toutes les missions de 2 jours. Les événements, qui sont tout le temps les mêmes en fait, c'est un peu dommage parce que quand vous arrivez là par exemple c'est l'événement des robots, donc les robots peuvent vous attaquer pour certains, ils deviennent un peu fous. Le truc, c'est que ce jeu-là, je pense qu'au fil du temps, ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'il fasse une zone où on puisse, par exemple, tous se regrouper, vraiment, qui fait que, par exemple, bah, la confrérie est une vraie base, par exemple, des bots qui retournent, qui reconstruisent correctement. Parce que on dirait que plus ils avancent, plus j'ai l'impression que ce jeu, ils essayent de pousser sur le système de reconstruction, mais vraiment de reconstruction, parce que en temps normal, ce procédé de Fallout 76 était vraiment de recréer la vie, en fait, de refaire avec des personnes et tout ça. Et je pense qu'ils ont dû se dire, bah, avec le nombre de personnes qui jouaient sur les serveurs, sur les jeux et tout ça. Clairement, ça peut être utile. Ce jeu, en plus de ça, c'est pas comme GTA ou Red Dead ou quoi que ce soit. Même s'il y a des bots ou quoi que ce soit, ou qu'il y ait des autres joueurs, vu que c'est un jeu en ligne, c'est par exemple convivial. C'est convivial. Moi, je sais que pendant un moment, on avait joué avec McDo. Je crois même qu'on l'avait fait en live. On a aidé un joueur, il était beaucoup plus haut que nous, et on l'a aidé parce qu'il y avait un écorcheur. Donc, je vous mets l'image de la bestiole si j'en trouve une juste là. L'écorcheur est quand même quelque chose assez violent. Alors, il y en a qui sont assez passifs, on va dire, mais il y en a. Bah, passifs. Non, ils sont pas passifs, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas non plus d'une méchanceté, voilà, ils sont assez volumineux, ils sont gros, tout ça, et c'est vrai que bah, pour les attaquer c'est un peu casse-couille, donc voilà. Donc on va faire la petite visite, si je peux me permettre, si je peux visiter vite fait. Alors normalement la confrérie de l'acier, pour vous remémorer, si ceux qui ne jouent pas à Fallout, ce sont une agence d'anti-monstres qui veulent recréer le monde entre parenthèses à leur image. Voilà, c'est souvent difficile. Donc j'imagine qu'il faut que je sois admis dans le machin. Donc j'imagine qu'il y a pas mal de choses. Donc on dirait un peu un bunker. Docteur Blackwood. Ok. Ah, ils ont vraiment... ouais, c'est vraiment...
Tyler Long. Donc là, c'est vraiment que des bots. Ça, par contre, c'est cool parce que maintenant, les bots, on les voit vraiment. Par contre, c'est un peu dommage. Ce qui est un peu dommage, par contre, c'est qu'il n'y a personne avec une armure. Alors, je sais pas si au fil du temps. Parce que pour ceux qui y jouent, tout le monde sait qu'on a une armure dans le jeu, que vous pouvez recréer, que vous pouvez reconstruire pour les radiations, pour éviter les radiations, tout ça. Pour être un peu plus résistant, vous pouvez les construire à votre façon, tout ça. Et ça, c'est vraiment cool. Déjà dans le 4, c'était déjà comme ça. Et ça, c'est vraiment sympa d'avoir remis un peu un truc comme ça. C'est vraiment très cool. Mais c'est vrai que ce qui est un peu dommage, c'est pas comme dans le 4 où par exemple vous pouvez enlever des maisons, reconstruire par-dessus. Moi c'est ce que j'avais fait avec pour le 4. J'avais pris la première ville, donc avec les miliciens, j'avais pris la première ville et j'avais tout rasé, tout enlevé, bah, ce qu'on pouvait enlever, et j'avais reconstruit des vraies maisons, des propres. J'avais même rajouté des mods, si je peux j'irai vous prendre un screen, mais j'ai plus le jeu dessus, donc pour le moment je sais pas si je pourrais. Donc voilà, ben vous savez quoi, je vais vous laisser sur ça, moi je me suis, clairement c'était surtout pour parler avec vous sur ce jeu, clairement si, moi un jeu comme ça je vous le conseille, mais si à ce niveau là, des mises à jour et tout ça, moi ce que je vous conseille c'est de jouer avec des amis. Parce que le truc c'est que à ce niveau là avec les disquettes, les bots, les monstres qui sont rajoutés, les anciens monstres, donc les ghouls, les machins, maintenant on trouve des variantes, donc par exemple comme l'écorcheur, maintenant vous pouvez trouver des écorcheurs radioactifs, donc nucléaires, qui sont ouverts et ça c'est un peu chiant. Mais clairement, c'est un jeu qui est comme ça. Ok, comme ça. À côté, après, le truc, c'est que c'est vraiment long. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Normalement, avant de finir, normalement, il devait avoir une rediffusion du live du samedi. Sauf que je n'ai pas pu parce que le PC en ce moment bug. Donc je sais pas ce qui se passe, je sais même pas si mercredi je vais pouvoir live, donc je verrai en temps voulu bien sûr, sinon vu que mercredi je suis pas là de la journée, donc il va pouvoir se reposer un minimum, mais voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez, je me suis téléchargé Rocket League, si vous voulez voir des vidéos sur Rocket League dites-le moi. Juste avant, petit point d'interrogation, je suis nul à Rocket League, je préfère vous le dire clairement, si vous voulez voir une vidéo fail qui se retrouve à peut-être à... Bah, j'arrive à marquer, quand c'est du 1v1, j'arrive à marquer un minimum, mais normalement je perds. Si je gagne, c'est vraiment un coup de cul quoi, c'est que je... Voilà, c'est que... Voilà. Mais clairement, j'ai pas de niveau, j'ai vraiment pas de niveau. J'avais oublié cette tenue... Et OBS a tenu. Voilà, donc ouais, avec McDo, c'était fait un kiff. Lui, il avait un truc. Moi, j'avais un chapeau. Surtout que c'est surtout que je cherche un chapeau de cowboy et j'arrive pas à le trouver. J'arrive pas à trouver. Alors, je sais pas s'il y en a sur le jeu. Donc ouais, je voudrais bien avoir à ma silhouette à moi. J'aime bien tout ce qui est cowboy et puis tout ça. C'est pour ça que je vais peut-être vous refaire une vidéo sur Red Dead aussi. Je verrai même si ça intéresse certaines personnes de venir avec moi pour faire quelques missions, des trucs comme ça. Et puis voilà. Peace les gens, c'était Drake Survie. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche. Et peace les gens, c'était Drake Survie. Et merci encore à ceux qui regardent.